Pour résumer Biocrèche, j'ai décidé de travailler sur l'amélioration continue dans le développement durable, de permettre ou mettre tous les moyens nécessaires à cette application de ce nouveau modèle. Ils font de la RSE à tous les étages, c'est-à-dire que vous prenez la politique RH, le management du dirigeant, l'activité même, les constructions, la nourriture pour les enfants, le nettoyage, dans tout ce qu'ils font, il y a de la RSE. C'est extraordinaire. Nous avons des établissements qui sont de taille humaine. Le principe d'une biocrèche, c'est d'essayer de recréer une petite famille. C'est d'ailleurs pour ça que même dans notre fonctionnement, on travaille en âge mélangé pour essayer de recréer une fratrie, recréer du mimétisme entre les petits-enfants, les enfants un peu plus grands et les grands-enfants. On a beaucoup d'ateliers, on plante un potager, on va bientôt planter des arbres fruitiers pour expliquer la vie, le cycle de vie d'un fruit. Ça passe par quatre grands points. Le premier, c'est l'aménagement. On a plusieurs fondements. On se place notamment sur la construction durable de nos établissements. Le deuxième, c'est l'hygiène de la structure, l'hygiène des enfants, donc avec des produits aussi en développement durable éco-certifiés. Le troisième, c'est la nourriture, qui se veut avec une majorité de composantes d'agriculture biologique, mais qui se veut aussi, dans ce côté durable, local, puisque je travaille énormément avec les fournisseurs pour avoir une vision de localité, rapprocher le lieu de production du lieu de consommation. Biocrèche a décidé, depuis sa création, de ne se fournir qu'avec de l'énergie provenant de sources durables. Donc on est 100% alimenté par de l'énergie verte. Et le recyclage, on a une traçabilité de ces déchets. Les plastiques sont recyclés, les denrées alimentaires sont compostées. Nous avons même un composteur au sein d'une de nos crèches dans le 15e arrondissement. Nous compensons nos émissions carbone en participant à des programmes de reforestation, qu'ils soient français ou qu'ils soient internationaux. Grâce à ça, nous émettons moins de carbone et nous compensons la totalité de nos émissions. Au niveau financier, notre travail avec le Crédit Coopératif, la Nef, un fonds d'investissement qui met l'accent sur ce côté durable. Et on a aussi la vision d'avoir ce que j'appelle moi une transversalité. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est d'avoir une prise de hauteur, de travailler avec l'intégralité de mes services, de faire un groupe de travail et de se poser les bonnes questions. On a toujours cette relation entre les collaborateurs pour essayer d'avoir les meilleurs arbitrages, d'avoir les meilleurs choix. La comptabilité durable au sein de notre entreprise valorise ces actions et ces décisions. On voit par cet intermédiaire qu'on a vraiment une vision circulaire, globale de cette activité. Nous pouvons afficher un coût supplémentaire par rapport à un établissement standard d'à peine 10%. Donc on est 10% plus cher qu'une crèche standard, mais nous avons un retour sur investissement avant 5 ans. C'est-à-dire qu'à partir de 5 ans, nos crèches en exploitation coûtent moins cher qu'une crèche standard. Donc il y a un investissement à effectuer, un petit effort supplémentaire à faire au démarrage, mais celui-ci est très valorisé d'une part par la satisfaction des usagers, la satisfaction des partenaires et la satisfaction de l'environnement.
On a donc 4 crèches en exploitation pour un total de 150 berceaux gérés. On a beaucoup de programmes en cours, 3 programmes en construction, 4 en signature et encore une envie évidemment d'accélérer notre déploiement, principalement Paris-Île-de-France, mais avec de grosses envies d'aller sur d'autres territoires et d'autres régions en France. La pédagogie s'est complètement appropriée cette vision durable. Ce qui plaît particulièrement aux parents, qui voient que effectivement, on peut agir pour la société, agir pour l'environnement, tout en maintenant et en améliorant notre vision pédagogique. On sait que maintenant, un modèle économique ne peut vivre que s'il est inscrit dans le temps. Ces actions qui sont partagées maintenant avec de nombreuses entreprises donnent un prisme, une vision d'une société qui se transforme. Nous nous inscrivons complètement dans cette dynamique et j'espère et je pense que cette continuité et cette amélioration de la société continuera et s'accélérera.